Un couple épanoui. Ce lundi 19 décembre, alors que l'équipe de France vient d'essuyer une défaite en finale de Coupe du Monde en s'inclinant au tir au but face à l'Argentine de Lionel Messi, Karim Benzema souffle sa 35e bougie. Pour célébrer ce jour si particulier, la compagne du Ballon d'Or 2022, Jordan Osuna, a rendu hommage à son chéri sur Instagram. Joyeux anniversaire à mon amour et mon meilleur ami, a-t-elle écrit en légende de trois photos dévoilant des moments de complicité avec le footballeur. Plus amoureux que jamais, le célèbre attaquant du Real Madrid a répondu avec tendresse et sobriété en commentant avec un emoji cœur. Évidemment, cela n'est pas passé inaperçu aux yeux des fans de Karim Benzema. Et pour cause, celui qu'on surnomme KB9 est de nature très discrète, et ce, encore plus lorsqu'il est question de sa vie privée. Malgré tout, après avoir fait sensation à la cérémonie du Ballon d'Or 2022 sous les yeux attentifs de Jordan Osuna et de Cora Gauthier, son ex-femme, le footballeur confirme une nouvelle fois son attachement pour sa nouvelle compagne. Karim Benzema, son fils Ibrahim et son portrait craché Karim Benzema, il annonce sa retraite internationale dans un message publié sur les réseaux sociaux ce lundi 19 décembre, Karim Benzema a fait une annonce fracassante concernant son avenir. Le compagnon de Jordan Osuna a laissé entendre qu'il ne porterait plus le maillot de l'équipe de France de football en mettant un terme à sa carrière internationale. J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier. J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin, a-t-il écrit en légende d'une photo de lui sous le maillot des Bleus. Une décision qui risque d'envenimer les rumeurs déjà existantes concernant une rupture entre l'attaquant et le reste des hommes de Didier Deschamps. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Cyril Moreau.